Il 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Ségolène Royal a fâché les écologistes en affirmant dans l'hebdomadaire Usine Nouvelle qu'elle voulait construire de nouveaux réacteurs pour remplacer les anciens. L'info politique, Caroline, c'est que depuis cette déclaration, la ministre rame auprès des écolos. Elle rame sévère, on y reviendra. Mais pour commencer, les écolos sont assommés. C'est le coup de trop, le sujet éruptif pour eux, vous le savez bien, la ligne rouge. En Hon, Thomas, vous n'entendrez que des propos résignés, tenus car l'heure est à la Concorde nationale. Mais en coulisses, les Verts se lâchent. Je cite quelques phrases. Mmh. Elle a buggé », me lit l'un d'eux, une autre cinglante. Elle a fait une méga provocation complètement à contretemps ou encore ce commentaire Vachard. Elle a découvert l'écologie en 92 et on est en 2015. Un coup bas, un proche de Cécile Duflot relit le communiqué qu'elle a publié et ne voit aucun rétropédalage sur le fond. Il me fait d'ailleurs remarquer que l'action EDF a bondi en bourse après les déclarations de la ministre comme si elle avait au final choisi le camp du nucléaire. Alors après un atterrissage Plutôt réussi, hein. Ségolène Royal a récemment accumulé les sujets de crispation avec les Verts. Le budget de l'écologie en baisse, la conférence climat qu'elle laisse à Laurent Fabius, sa décision, euh, même si elle est populaire, d'autoriser les, fautes, les mmh. feux de cheminée n'a pas plu euh, à Europe Écologie Les Verts. Depuis hier matin, Ségolène Royal... Un rame, on l'a dit. Euh, elle a appelé Cécile Duflo et Emmanuel Cosse, la patronne des Verts, notamment pour opérer, comme on dit, un virage sur l'aile et tenter de les rassurer. Elle plaide l'erreur de communication, mais je peux vous dire, et on l'a compris, que c'est sans succès pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a trouvé un moyen d'avoir du monde à sa cérémonie de vœux. Ce sera demain matin. Hein, Alors, c'est vrai que ça, elle sait faire, mais ce talent, Thomas, pour se mettre au centre du jeu, paraît totalement décalé en ce moment. Alors, on verra en effet si elle revient sur l'idée de construire de nouveaux réacteurs. Comme on le dit chez les Verts, même NKM n'avait pas osé. Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, les, les partis de gauche radicales caracolent en tête des sondages, Caroline. La question politique du jour concerne Jean-Luc Mélenchon. Comment entend-il profiter de cette dynamique des, des partis de gauche dure contre l'austérité Il va y aller, hein. il se rendra euh, sur place il à Madrid, c'est ça, à la fin du mois pour une marche contre l'austérité aux côtés de Pablo Iglesias, de Podemos, et il sera présent... Au meeting final d'Alexis Tsipras, le 22 janvier, le leader du parti de gauche pense qu'il peut profiter de ce mouvement, démontrer que sa démarche est crédible, comme il me dit. Il s'attend surtout à assister à l'effondrement de la social-démocratie et des socialistes. Et ça, Thomas, ça suffit pour le réjouir. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler les vœux de François Hollande en Corrèze samedi l'an dernier. C'était vie privée et suppression des départements. L'ambiance cette fois-ci sera forcément plus dense. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.